Capucine Anaf partage une photo de son fiancé. Les internautes le confondent avec Leonardo DiCaprio. D'amis d'enfance à amoureux pour la vie. Alors qu'ils étaient copains de longue date. Victor Dumas et Capucine Anaf ont eu un coup de foudre en 2019, et depuis, ils vivent un véritable conte de fées. Une belle histoire d'amour qui s'est concrétisée avec une demande en mariage, puis avec la naissance de Lola. Le 13 novembre dernier. Lola, le 13 novembre 2022 au soir, notre vie a basculé à tout jamais grâce à une arrivée un peu précipitée de notre princesse. Un énorme merci à toutes les équipes de l'hôpital privé Natosia, d'avoir été si rassurantes malgré mes angoisses et surtout un grand merci au gynécologue Jean-Michel Dreyfus qui m'a fait vivre le moment le plus incroyable de ma vie. Écrivait la jolie brunette sur son compte Instagram pour annoncer la nouvelle. Un bébé né prématurément mais en bonne santé qui a bouleversé leur vie et qui a été présenté quelques semaines après, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je suis heureuse en ce soir de Noël de vous présenter officiellement ma Lola. Tellement heureuse. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes, lâchait l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Fière de faire les présentations. Les deux tourtereaux sont donc sur leurs petits nuages, sans ombre au tableau. Et encore plus en ce dimanche 15 janvier. Et pour cause, Victor Dumas fête ses 30 ans. Une date importante que Capucine Anaf a tenu à marquer avec une déclaration d'amour enflammée. 15 janvier 1993. Un prince est né, quand j'ai croisé son chemin j'ai vite sauté sur l'occasion pour pas qu'on me le pique. De là est né un amour inconditionnel entre nous. On s'est vu et on ne s'est plus jamais quitté et de rajouter, aujourd'hui tu as 30 ans mon amour. 30 ans ça se fait alors je lève le voile pour te faire une belle déclaration et poster une rare photo de nous car on a toujours aimé la discrétion. Bon anniversaire mon amour je t'aime, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Un message d'amour et de tendresse agrémenté d'une photo inédite sur laquelle ils posent tous les deux amoureusement. Regard complice et sourire aux lèvres, alors que la jeune lyonnaise était encore enceinte de Lola. Capucine ouvre enfin son cœur et lève le voile, ce qui séduit ses abonnés. D'autant plus que certains voient une ressemblance entre Victor et Leonardo DiCaprio. Purée, j'ai cru que c'était Leonardo DiCaprio. Bon anniversaire. Je trouve qu'il a des airs de Leonardo DiCaprio, DiCaprio de profil ton chéri Capu ou encore c'est DiCaprio en fait ton mec. Peut-on lire parmi les commentaires? Victor fait chavirer les cœurs. La photo est à découvrir ici.